Et comment ça va les gens? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live commentary sur Call of Duty Black Ops 1. Et oui, pourquoi je viens sur Black Ops 1 aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je compte faire tous les Black Ops avant Black Ops 4, donc Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, toujours sur PC bien évidemment. Et aujourd'hui les gars, c'est du Black Ops 1. Alors on va jouer à la KS. Alors voilà. Pour la petite histoire les gars, je ne connais pas trop Black Ops 1 au niveau des maps, au niveau des armes, etc. Je ne sais pas quelles classes sont les meilleures, etc. Parce que tout simplement, c'est l'un de mes Call of Duty préférés, si ce n'est mon Call of Duty préféré. Mais je ne l'ai pas connu le jour de sa sortie, je ne l'ai pas connu pendant la période où il fonctionnait. Je tiens à le préciser parce que ça peut être confus pour certains. Et donc mon level sur ce jeu n'est pas énorme non plus. Donc si vous comprenez, en gros ça va. Je veux dire, le jeu je le découvre en même temps que vous, j'ai que 80 heures de jeu, c'est pas énorme. Mais ça suffit pour faire 2-3 trucs sympas. Alors je vais pas vous cacher que sur ce jeu je joue principalement aux SMG parce que les AR n'ont pas de cross et du coup moi c'est un peu compliqué pour moi. Vu que je suis un joueur qui aime bien strafe, donc pour ceux qui savent pas strafe c'est le fait d'aller à droite à gauche comme ça en visant. Et du coup ben sans cross c'est un peu compliqué, surtout que les armes ne sont pas du tout mobiles. C'est pas comme un Black Ops 2 ou un Black Ops 3, voire même Black Ops 4, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus mobile. Black Ops 4 vous êtes beaucoup plus mobile que sur Black Ops 1. Black Ops 1 vous prenez une AR, je vous le montrerai pas là pendant la vidéo parce que je pense que c'est la seule game que je vais vous montrer pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais en gros c'est un peu compliqué quoi. Lui m'a flash. Il y a un truc que je comprends pas aussi sur ce jeu, c'est résistance tactique. J'ai résistance tactique d'équiper et pourtant je me prends des flashs de malade les gars. C'est incroyable. Je me prends des flashs, je me prends... Regardez ça la para. Pourtant j'ai résistance tactique hein. Bon là heureusement que le mec est nul mais... Bon, le but du jeu ça va pas être de rester dans cette maison hein. On va essayer de bouger quand même. Même si je sais que je vais me faire exploser. Mais ce jeu franchement c'est un énorme plaisir. Vous avez entendu déjà la musique au début, c'est incroyable. Enfin, franchement ça redonne... Moi en fait j'ai connu ce jeu sur PS3. Mais c'était une époque où je jouais pas au jeu, j'avais même pas encore commencé à jouer sur PC, etc. J'ai connu ce jeu, mais en plus c'était, on était que en, comment dire, en partie privée. Donc c'était un écran scindé avec mes potes, tu vois, et j'ai joué que aux zombies. Mais concrètement, voilà, j'aurais bien aimé, j'aurais donné beaucoup pour aujourd'hui, pour avoir vécu la sortie du jeu. Ça devait être énorme, surtout sur PC. À l'époque, il y avait énormément de monde sur les Call of Duty PC. C'est énorme. Oh putain, l'ascension elle est non, elle est nulle. Aussi pour ceux qui savent pas pourquoi je galère un peu, c'est aussi à cause de l'ascension. On peut pas changer l'ascension grâce aux chiffres comme sur les nouveaux codes sur PC. On est obligé de faire par carré et comme vous le voyez c'est soit pour beaucoup, soit moitié, soit voilà. Donc je peux pas vraiment juger. Et du coup ben voilà, c'est pour ça que j'ai une ascension énorme. Même avec le minimum de DPI, franchement je galère. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on fait quand même un minimum le taf, on n'est pas ridicule non plus. Attends, j'ai un... ça. Je sais pas comment ça sert, mais ça, je sais que c'était trop chiant. Le napalm, même dans le bâtiment, il arrivait à te brûler. Je sais pas si vous vous rappelez. What? Aussi, le balancement de l'arme, c'est incroyable quand tu te fais toucher. J'ai tué personne avec mon napalm. Si! Un! Puis, je me suis suicidé. Non mais sinon ça fait vraiment plaisir de retourner sur ce Black Ops 1, mais bon, il y a toujours ce lot de choses cancer qu'il y a sur tous les Call of Duty, ça vous le savez, donc ceux qui disent ces codes c'était mieux avant, c'était moins cancer, je vous comprends pas trop parce que vous prenez les anciens codes, vous mettez la communauté qu'il y a aujourd'hui et vous verrez que c'est encore plus cancer qu'aujourd'hui, voire c'est... On va dire pareil, voire plus cancer et bien plus cancer. Notamment, regardez toutes ces mines et tout. Elles y étaient déjà à l'époque, les gars. Faut pas râler aujourd'hui. Elles y étaient déjà. Tous les Call of Duty, vous avez votre lot de choses qui vous font rager. J'ai envie de dire, c'est banal. Putain, j'aurais pu faire un truc de ouf. C'est banal. Faut pas être en mode choqué, genre oh et putain il y a des mines sur ce Call of Duty, il y en a sur celui-là et tout. Non, c'est... Il y a des mines sur celui-là. Je veux même aller plus loin pour Black Ops 1. Je crois que les Strix, c'est les Strix les plus cheatés de tous les codes jamais conçus. Vous sortez le UI mon gars, c'est fini. Pas mal, pas mal. Elle est bien cette SMG, j'avais fait des classes, en fait j'ai même pas refait mes classes, hein. C'est des classes qui étaient déjà préfaites, que j'avais fait il y a longtemps apparemment, donc je les ai repris, parce que à savoir que quand moi j'ai eu mon époque Black Ops 1, c'était à l'époque de Ghost, alors Ghost me saoulait un peu, j'en avais marre,
Donc j'ai essayé d'acheter différents Call of Duty, les anciens, je les ai tous achetés, j'ai tous joués, mais c'est le Black Ops 1, c'est le code où j'ai eu le plus de, comment dire, ma plus grosse période, on va dire, des anciens codes. Et c'était pas mal, on avait un serveur, on avait acheté un serveur à la Blazer Clan et c'était ouf, il était tout le temps rempli. Alors que pourtant nous on débutait sur le jeu, hein. Mais on a pris un serveur, on s'éclatait, on était comme des oufs dessus. Voilà, mais ça aussi, vous voyez ce qu'il vient de faire, ça aussi c'était un truc cancer et pourtant aujourd'hui personne s'en plaint. Les Akimbo, je viens de voir des Akimbo aussi. Après c'est différent parce que vous voyez là c'est cancer, mais je m'amuse sur le jeu, je m'éclate de faire cette vidéo, c'est un peu nostalgique, c'est un mix de plein de sensations énormes quoi, que tout le monde pourra comprendre. Après malheureusement, je n'ai pas cette nostalgie du mec qui a commencé le jeu à sa sortie. Et ça c'est bien dommage. Parce que franchement, comme je vous le répète, j'aurais bien aimé connaître ce jeu le jour de sa sortie. Comme je connais les codes jusqu'à maintenant depuis Black Ops 2, tous les ans, le jour de leur sortie quoi. C'est le meilleur moment en fait, le jour d'une sortie pour un code, c'est le meilleur moment. Ah, d'accord. Bon, ça va, on se débrouille pas trop mal, même si là on va se prendre la foudre apparemment, voilà. C'est pas trop mal, on se débrouille pas trop mal. Voilà. La partie est finie. Alors voilà, la vidéo, je sais qu'elle n'était pas très longue, mais on m'a beaucoup reproché le fait que mes vidéos n'étaient pas assez dynamiques et qu'elles étaient trop longues. Pour vous, 10 minutes, apparemment, c'est trop long. Alors voilà, on essaye de faire des efforts à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire qu'une seule game, une petite game, ça suffit. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, ça sera sur du Black Ops 2. Alors, je vais quitter vite fait le lobby pour finir la vidéo. Non, là, on a ouvert la console. Voilà, donc c'est assez compliqué, je vais pas vous le cacher, de trouver des games sur ce Black Ops 1 en matinée. Là, il est 11h13 quand j'arrête la vidéo. Voilà, donc vous l'aurez sûrement le lendemain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette initiative vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui veulent jouer avec moi sur la prochaine vidéo qui sera sur Black Ops 2, n'hésitez pas. Je vous rappelle que je suis sur PC, donc si vous êtes sur console, ben, c'est tout simplement, enfin, ne demandez pas parce que voilà, vous ne pourrez pas jouer avec moi. Dommage, il n'y a pas le cross-platform, quelque chose qui aurait été sympa sur Black Ops, enfin sur Call of Duty en général, même s'il y aurait des déséquilibres entre les claviers souris et les manettes, mais bon, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Je vous laisse ça. Sur ce les gars, c'était à ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette initiative de reprendre les anciens Black Ops avant Black Ops 4 vous aura plu. Je vous dis tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. And how